Normalement, c'est Jules, le prof de break. Aujourd'hui, on va avoir une base de footwork au sol qui s'appelle 3 steps. Pour commencer avec le 3 steps, assure-toi de bien avoir de nouveau les appuis talons-fesses. Ici, tu vas venir t'appuyer sur l'avant des mains, c'est-à-dire ici, le bas des phalanges et le haut des métacarpiens. Donc, tu poses tes mains toujours comme ça. Si tu n'y arrives pas, tu mets les mains bien à plat. Alors, tes mains sont au niveau de tes épaules et tes pieds sont un peu plus en arrière écartés. Comme ça. Alors, une fois que tu es positionné bien avec tes quatre membres, tu viens sortir une des deux jambes. Je commence avec la gauche. Ça va. Tu viens t'appuyer toujours en mode talon-fesse avec ton pied droit et tu changes. Et tu te retrouves talon-fesse avec l'autre jambe. Alors, une fois que tu es talon-fesse avec l'autre jambe, tu viens changer tes bras de position et te repositionner dans la même position que tout à l'heure. Tu viens tendre une des deux jambes et tu restes en talon-fesse avec l'autre. Tu changes. Deuxième move et troisième, tu reviens en position de base. Ça fait. 1. Donc si je récapitule, ça fait 1, jambe tendue, 2, autre jambe tendue, 3, position de base, 1, 2, 3. Alors une fois que tu as compris le mouvement, essaye de déplacer le tri-step sur des lignes, que ce soit horizontal ou vertical ou vraiment partout où tu veux aller. Imaginons, là je veux aller vers l'arrière. Alors si tu veux aller vers l'arrière, tu mets tes mains un peu plus en arrière et tu te déplaces et tu diriges tes mains dans la direction dans laquelle tu veux aller. Les steps. Ici. Hop. Et tu déplaces un peu. Ici. Et tu déplaces un peu. Donc c'est surtout dans la troisième partie du mouvement que tu peux te déplacer. Essaie de varier un maximum les mouvements comme ça. Ton 3 steps, il peut se déplacer dans l'espace et sera beaucoup plus dynamique.